Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est le tout premier tuto pastel à l'huile que je vous fais. Donc aujourd'hui, on va commencer par une branche de cerisier japonais, donc de sakura. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'on est dans la période, puis c'est quand même super beau et c'est quelque chose qui se prête très bien au pastel à l'huile. On va donc commencer par faire un croquis très rapide et très simple, juste pour dire de ne pas commencer sur une page blanche. Comme vous voyez, j'ai fait une espèce de ligne en diagonale, un petit peu zigzag, avec des petites branches qui partent vers le haut et vers le bas. Donc voilà, c'est vraiment juste pour dire de ne pas partir de zéro, mais vous pouvez très bien commencer directement avec votre pastel. Je prends ensuite mon pastel Pentel, je vous ai montré la référence à l'écran. Et je vais venir donc faire un premier passage sur ces branches. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi il y a des trous à gauche de la feuille, je vous glisse maintenant dans le petit i la vidéo où j'explique tout ça. Donc je vais faire la totalité de la branche principale. Juste, il y a un petit endroit où j'ai pas trop mis de marron parce qu'il y a des fleurs qui vont passer un petit peu dessus. Et je vais faire la naissance des petites branches qui partent donc de la branche principale, puisque au bout il va y avoir les fleurs. On va prendre un beige rosé et on va venir marquer les zones où on aura des fleurs pour faire une base de couleur, pour savoir un petit peu où on va, pour estomper un petit peu aussi le crayon, qui d'ailleurs ne se verra pas du tout à la fin du dessin, hein, je vous rassure. Et donc voilà, je vais venir faire des ovales, des ronds, des petits points où je vais mettre des fleurs et des groupes de fleurs. Maintenant, donc, la structure de notre branche de sakura est faite, on va pouvoir passer aux détails. Donc je vais me munir de mon noir et je vais venir souligner toutes les branches. Donc je vais venir faire un petit trait fin collé au marron mais sur le dessous. Ça va juste m'aider à ombrer, à faire un petit peu de nuance dans les branches, à donner une petite légère impression de réalisme, voilà, pour faire quelque chose qui n'est pas tout plat tout simplement. Et je vais venir, donc vous pouvez très bien, je sais qu'il y a mille et une techniques en pastel à l'huile, vous pouvez très bien prendre un coton-tige, vos doigts ou un mouchoir pour estomper les deux couleurs. Moi je préfère reprendre la couleur d'avant, donc le marron, et repasser dessus pour que ça fonde les couleurs et ça marche extrêmement bien. En faisant comme ça, on ne perd pas de couvrance de la couleur et je préfère faire comme ça. On va donc pouvoir passer aux fleurs. On va donc prendre un rose moyen, plutôt soutenu, et on va venir détourer tous les petits bourgeons. Vous voyez que quand j'ai fait l'étape de mettre du rose très pâle, il y a des endroits où j'ai fait des gros ovales et des endroits où j'ai fait des petits points. Et bien les endroits où j'ai fait des petits points, c'est en fait des bourgeons de fleurs, et c'est sur ces bourgeons que j'ai juste souligné le dessous avec le rose. Et vous voyez maintenant que je fais des espèces de petits amas de roses, un petit peu hasardeux comme ça. Et en fait, ça va être tout simplement des fleurs, parce que toutes les fleurs ne sont pas exactement de la même tonalité. Il y a des fleurs qui vont être plus claires ou plus foncées que d'autres. Donc là, en l'occurrence, on va faire des fleurs avec ce rose-ci.
maintenant prendre un rose un peu plus clair et on va venir donc dégrader ce rose foncé avec donc ce rose clair et donner quelque chose de plus nuancé. Donc comme vous voyez, ça se fond plutôt très bien. Je viens juste mettre la couleur plus claire par-dessus et on va avoir un aspect un petit peu dégradé avec des nuances. Et je trouve que personnellement l'illusion de la fleur, en tout cas de loin, parce que là on fait vraiment des toutes petites fleurs, c'est une vue de loin. Et pour une vue de loin, je trouve que cette technique pour avoir des fleurs marche très bien. Et on a vraiment cette impression de fleur de cerisier par la couleur choisie qui est vraiment la bonne, je trouve. Donc je viens faire comme j'ai fait finalement avec le rose foncé, mais avec le rose plus clair. Toujours avec ce même rose plutôt clair, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec le rose foncé, les espèces de petits gribouillages qui vont représenter des fleurs. Donc je fais la même chose avec ce rose clair. Et je fais aussi quelques petits bourgeons. En fait là l'objectif c'est de combler l'espace tout simplement et de remplir les zones qu'on a dessinées tout au début avec notre rose très clair. Je viens ensuite avec, je passe au Faber-Castell parce que j'avais pas du rose très foncé chez Pentel. Je viens donc prendre ce violet rose plutôt foncé, plutôt soutenu et je vais venir faire, vous voyez, comme des détails. Voilà, je vais faire des petits traits dans les fleurs qu'on va venir estomper par la suite avec un autre pastel. Voilà, celui-ci, qui est plutôt proche de la couleur de rose foncé qu'on avait tout à l'heure chez Pentel. Et on va donc venir estomper ça et avoir des fleurs plus grosses que celles qu'on a fait au début et plus voyantes puisque les couleurs sont plus foncées, bien sûr. Je viens remettre un petit peu de ma couleur foncée aux endroits où j'estime qu'il en manque et rajouter un petit peu de bourgeons. Et je vais me munir cette fois d'un vrai violet pour rajouter une dernière fois des petits bourgeons. Ça va faire des petites touches vraiment, vraiment plus foncées et ça va donner un petit peu de peps à tout ça et finalement ça va redéfinir le dessin et on va comprendre davantage que ce sont des fleurs. Je vais enfin prendre un beige rosé qui ressemble pas mal à celui qu'on a pris du tout début mais un tout petit peu plus soutenu et je vais donc venir combler les trous entre les fleurs pour avoir cette impression d'amas de fleurs. Donc là c'est notre dernière étape en ce qui concerne les fleurs. Vous allez voir après qu'on va un petit peu revenir aux branches qui ne sont clairement pas terminées. On va donc reprendre notre marron du début et on va finir nos branches. Donc on va pouvoir finir les branches parce que je voulais pas prendre le risque de mettre de la branche où il devait pas y en avoir puisque c'était les fleurs. J'avais donc laissé de l'espace mais maintenant il faut finir tout ça. Et on va, comme vous voyez, faire ressortir les branches de l'autre côté des amas de fleurs. Et c'est là que le dessin va prendre toute sa dimension et qu'on va vraiment reconnaître les cerisiers japonais. Avec les petites formes un petit peu biscornues de branches. J'oublie pas aussi de relier les petits bourgeons qui sont un peu éloignés de l'amas de fleurs pour éviter d'avoir des fleurs qui flottent. Donc voilà, ça peut être utile.
et je viens prendre, comme on avait fait pour la branche du début, mon noir pour rajouter de la dimension, et je viendrai ensuite de nouveau prendre mon marron pour fondre tout ça. Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez faire d'autres dessins, j'ai d'autres tutos et on se retrouve pour un prochain. Bisous !